Hello, hello! Je suis trop contente. Alors, je range tout ça et je vous montre au fur et à mesure. Alors, Ellie a l'arrivage Studio Light qui est arrivé à Séné, mais pas encore à Vannes, dans le 56, malheureusement. Mais avant de vous montrer cela, alors vraiment au détour d'un rayonnage, il y a quelques jours, parce que c'était pas hier, je suis tombée sur ces deux marqueurs qui sont exactement, sauf erreur, j'avais pas vérifié, mais j'y vais. Voilà, alors ils leur ressemblent, je dirais, à deux gouttes d'eau. Ce que j'aime beaucoup, c'est tant que vous n'avez pas secoué, vous voyez la quantité qui vous reste. Donc là, il me reste ça. Ils ont un petit peu de temps. Et bien, une fois que vous secouez, vous voyez, ça, on voit plus la trace. Et voilà, alors des bleus foncés comme ça. Donc moi, je les mets toujours dans la boîte, je les range comme ça. Et un bleu foncé, c'est quasiment le même. Mais vraiment, ça m'a... Donc là, c'était... édité pour la marque DecoTime, mais c'est exactement la même typographie. Et j'avais bien reconnu. Bon, c'est un peu facile pour moi puisque j'étais graphiste, donc je vois bien. Bon, marqueur à la peinture. C'est une drôle de traduction. Je pense que ça a été traduit. Bon, voilà. 2 euros décote 60%. Forcément. Alors, je ne pourrais pas vous dire, allez-y, vous en avez d'autres, puisque je n'ai trouvé que ces deux-là. Et un petit bout de papier. Parce que j'ai un petit bout de papier. Il faut amorcer hein, ces feutres-là. J'adore. Les enfants aussi. Ça fait longtemps que je les ai, mais... ils les utilisent pas tous les jours non plus, donc forcément, bon bref, vous connaissez, hein. Il va pas vouloir forcément venir au moment où je vous en parle, mais c'est pas le plus important. Allons, passons. Bon, deux gommes, quatre gommes pour les couper, puisque vraiment les enfants, ils veulent absolument gommer ce qu'ils écrivent, ce qu'ils dessinent. Fournissons-leur, est-ce que celui-là va rentrer, des gommes, mais des petits morceaux, ce sera bien suffisant. Voilà, à 59 centimes, les deux, ça le fait quand même pas mal. Hop, je mets ça, ma poubelle, chez moi, ma poubelle, c'est par terre. J'ai retrouvé hier, j'ai repris un lot comme ça, seulement un, il y en avait d'autres, mais un, voilà, pour faire une création là cet été. On va faire un truc sur le sport, puisque j'ai trouvé aussi un classeur d'embossage, donc voilà. J'ai fermé le volet complètement parce que je me suis rendu compte qu'ici j'avais une zone de lumière naturelle un petit peu énervante pour les vidéos. Mais je vais essayer d'acheter un store occultant, parce que fermer juste les volets en pleine journée, moi... L'ancien arrivage de ces dies là, il y avait celui-ci que j'ai pris et celui-ci. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je sais plus, mais il en reste vraiment plus beaucoup. Là, j'y suis retournée tout à l'heure, il n'y avait que celui-ci. Ils ont augmenté, ils sont à 2 euros maintenant. Celui-ci, j'avais un doute. J'avais un doute sur Noël, j'ai pas vérifié. J'ose vérifier. Maintenant, vous savez, je range mes dies là-dedans. Et si je l'ai déjà, eh ben le voilà. Donc si je l'ai déjà, ben j'irai le rendre. Mais j'irai le rendre demain, puisque j'y retournerai demain. Voilà, vraiment, j'étais
j'étais pas sûre. D'habitude, je fais des photos de tout et là, j'ai un peu traîné dans mes photos. C'est pas bien. En même temps, si jamais quelqu'un, si jamais vous en avez absolument besoin et que vous le voulez, envoyez-moi un mail dès ce soir parce que j'irai demain matin. Donc, soit je le rends demain matin, soit je vous le mets dans une enveloppe. 1,99€. En revanche, la poste, j'ai plus du tout confiance. Donc, ce sera avec un suivi. Donc, vous rajouterez le frais de port. J'ai retrouvé des chiffres qui n'étaient pas abîmés. Bon, là, à part le 9, mais bon. Parce qu'il y en avait qui étaient cassés. Donc, voilà, j'ai fait attention. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et ben voilà, je passe dans le truc de folie. Voilà. Alors, Studio Light. Il y a des blocs comme ça de papier. Il y avait que deux thèmes, malheureusement, je dirais, parce que je sais que j'ai vu regarder sur leur collection. Ils en ont quand même pas mal d'autres. Un comme ça sur la mer, et il y en avait un autre avec des lamas un peu bohème. Au début, j'ai pris, puis j'ai reposé en me disant non, non, c'est pas du tout un style que j'aime. Je me suis dit, waouh, ouais, super, des die cuts, etc. etc. Et à feuilleter, alors c'est très mignon, c'est très joli. Ça, j'adore, c'est pas très bord de mer. C'est un peu compliqué quand même. Là, les petites cartes, c'est sympa. J'aime bien. Et en fait, ben, les die-cuts, il faut les découper. Et oui, voilà. C'est pas pré-découpé. Je trouve ça un petit peu dommage que ce soit pas pré-découpé. Mais voilà. Donc, il y a trois pages à chaque fois. Il y a cela. Au début, je me suis dit, je vais en prendre deux et puis j'ai reposé. Comme ils sont quand même, il y en a trois par, ça fait voilà, ça fait beaucoup. Ça j'aime beaucoup, ça c'est super joli. Ça vous pouvez faire une page en moonboard. C'est quasiment déjà fait. Vous avez juste à les découper. Au pire, vous essayez de garder un petit peu de marge. Ça vous fait votre matage. Et voire vous le gardez complètement, vous mettez une photo ici ou une photo là, puis vous rajoutez des bouts avec. Ben voilà, là c'est. Ah ben ça me donne une idée. Hop là. Là, ouais, un super moonboard déjà tout fait, quasiment. Faudrait retrouver le même marron. Non, celle-là, elle pourrait s'accorder. C'est pas le même marron, mais celle-ci pour mettre à côté. Après, on peut réutiliser celle-ci en fond, et puis on refait un autre moonboard. À voir. Voilà. Hop, je vous ai dit le prix ou pas? 2,99€. Dans les choses que j'aime bien, mais je garde le meilleur, mon meilleur à moi pour la fin, des grands blocs de papier Arbor Mylène. J'avais du mal au début avec son univers. Je commence à aimer de plus en plus. Il va falloir qu'avec une amie, on se motive et booste toutes les deux, parce qu'elle adore les choses très colorées. Et Anne-Sophie, si tu passes par là, il va falloir qu'on fasse des petites créations, je sais pas lesquelles, mais des créations avec les papiers qu'on a déjà achetés et les die cuts et cela. Voilà. 3,99€, il y a combien de papiers? Il y en a 12. Et je vais juste ouvrir. Oui, ça fait du bruit, je suis désolée. Mais. Hop, voilà. Et il y a tout cela derrière, en fait. Enfin, tout cela derrière. Derrière, il y a tous les designs. Donc, voilà. Il y a un recto verso. Et à chaque fois, il y a un super...
Voilà, super papier. Je ne suis même pas sûre qu'il y en avait deux. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ça, on pourrait les redécouper pour les réutiliser. Alors là, mini en recto verso, un côté uni, un côté hyper hyper chargé. Trop la classe. Alors, mettre des photos pour un album là-dessus, je pense que tu es obligé de faire un matage parce que sinon, tes photos, elles ressortent pas. Et un matage clair en craft, ça pourrait être sympa. Enfin, à mon goût, hein, noir aussi. Mais bon, après, vous avez la possibilité de mater avec toutes ces couleurs-là. Mais ça fait découper dans le motif. Quand vous découpez ce genre de choses, bon, hormis celle-ci, mais celle-ci, il faut la découper à l'envers pour pas regarder, pour pas être influencé par le motif. Donc, par exemple, comme j'ai vient de vous filmer et vous allez la voir, un One Sheet Wonder, c'est-à-dire que vous découpez une seule page avec plein de formes. Si vous le faites ça, il faut le faire de ce côté-là. Comme ça, vous n'êtes pas influencé par... Ah, c'est génial, c'est une super... Moi, la dame, là, elle me dérange, donc je pense que je l'utiliserai... Ah ! Que du côté violet, c'est pas sûr. Ça, j'adore. J'adore. Mais ouais, des cartes avec ça, ça peut être... On prend une feuille de couleur qui tranche, ou alors un coup on les utilise d'un côté, un coup on les utilise de l'autre. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. C'est la seule qui est figurative, c'est celle avec la dame. Et ben la dame, tu feras pour moi, tu seras le. Ouais, tu utiliserai le violet, le matage. Voilà, pour ça. Hop. Après, alors je vais plutôt me mettre. Hop, je vais prendre mon fond, voilà, je vais enlever ça. Il y avait des die cuts, comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme mot? Peut-être hug, bou, je suis pas sûre. Il y a tout un lot de choses pour les Halloween. Voilà, j'ai juste changé de batterie, vous n'avez rien vu. Donc, plein de choses pour Halloween. Moi, j'aime pas Halloween, donc je n'ai rien pris. Ça, c'est assez sympa, ça vous découpe les... Ça découpe des lettres. Et ça découpe que des trous dans votre papier, pour celui d'en haut. 2,99. Alors, je vois là un yes, un high, mais je ne sais pas si je les ai vus. 2,99. Dans la série que j'adore, vous voyez pas grand chose. C'est un tampon avec une pieuvre, pas du tout, une méduse avec des fleurs. Alors ça, j'ai adoré, j'adore, j'ai un 2 dailles super joli avec des fils comme ça qui iront très très bien ensemble. 2,50. Ça m'a vraiment bien plu. Dans les super sympas, alors ils appellent ça des masques ou des pochoirs. Parce que de toute façon, j'ai pas compris moi la différence. Ils appellent ça masque. Alors, deux masques. Les pochoirs, je crois qu'il y a un contour blanc tout autour. Deux masques mandala, lotus mandala et floral mandala à 2,50. Ils sont assez grands. On n'est pas obligé d'utiliser tout. Et comme là, je veux faire une série. Vous vous souvenez, j'avais acheté celui-ci chez Teddy.
Ça, j'ai dû le trouver, bah, c'est sûr, chez Noz. Donc, ça va aller un peu ensemble. Je vais faire une série hindou, indien, arabique. Ah mince, il était abîmé là. J'ai failli le casser. J'ai failli le. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ben il est mal découpé. Non, en fait, il est retourné. Bon, c'est pas grave, pas abîmé. Donc, une série arabisante. J'avais retrouvé voilà, toute cette série-là que j'avais déjà achetée. Donc, je vais la ressortir. Il y a des tampons, mais il y a aussi les dailles. Voilà, il y a celui-là. Est-ce que j'ai. Par contre, je ne sais pas où j'ai mis les dailles là tout de suite. Là, c'est les tampons. Bon, ça tombe bien. Je les ai sortis. Et je vais retrouver les dailles. Parce que j'ai des dailles qui vont avec. Pas tous, hein. Ça, il y a une série de dailles. Celui-là, non. Celui-là, non. Voilà, donc je vais faire des choses. Là, je vais faire des cartes. J'espère pouvoir les faire la semaine prochaine, mais je m'y suis prise un petit peu trop tard. Parce que je voudrais les vendre le 23 lors d'une exposition à comment ça s'appelle? Au Pornichet, une association du Toit du Monde qui vient en aide aux réfugiés tibétains, avec laquelle je travaille depuis. Je vais dire 15 ans maintenant. Ouais, au moins. Et qui a, elle, 30 ans d'existence. Et voilà, donc je m'étais dit, je vais faire une série un peu de là-bas. Bon, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Je m'y attelle trop tard. Mais sinon, si je les prépare, au moins j'ai une exposition au ESO pareil, il y a une exposition du Toit du Monde. Et je vais essayer de vendre mes cartes là-bas. Le clou du clou. Des die cuts, chiffres assez grands. J'en cherchais. Et ben voilà, Nose l'a fait. 4,5 pour l'intérieur du 7. Et jusqu'à 5,5 pour l'extérieur du 7. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il y a deux dies. Ce qui vous permet de faire. Un matage ou pas. Hein, on va prendre le 0. Bon, le 0, il a trois petites choses normales. Bon, alors ça, le petit scotch, moi, ça va m'énerver. Donc, je finirai par tout enlever, mettre dans une pochette avec une pochette aimantée. Voyez, ça me. Moi, pour moi, c'est pas possible de travailler en devant enlever à chaque fois parce que forcément, à chaque fois, ça colle. Voilà, même pas je le rangerai. Je le rangerai si une fois j'aurai tout défait. Mais là, allez, on va prendre le 1 parce qu'il n'a que deux pièces. Je vais pas faire deux. Voilà. Donc, soit vous découpez juste le 1 comme ça et vous en servez comme ça. Soit vous découpez le 1 plus un matage et vous le recentrez après dedans. Alors il y a des éléments comme le 4 avec des choses toutes petites. Ah mais sont tenues. Il n'y a que l'intérieur du 0, du haut, du 8 là qui n'est pas tenu. L'intérieur ici du 6. L'intérieur du 9 normal. L'intérieur du 0. Et c'est tout. Tout le reste est tenu. Le 4, vous voyez, ils l'ont fait tenir parce que ça va. Par contre, vous aurez forcément la couleur du matage derrière. Là, il y a un trou. Donc, pas de trou. Là, il y a un trou. Là, il y a un trou. Voilà, j'adore. Donc, je les rangerai. Est-ce qu'il me restait une plaque métallique là? Non, elle est un peu grande, mais il me reste une plaque métallique et donc bah, tout va aller dessus. Bon, je vais la couper en deux
et je mettrai, comment dirais-je, dans mes classeurs. Vous avez vu, hein, chez les classeurs. Bah, à propos de classeurs, il y en a des nouveaux qui sont arrivés chez Action. Et j'en ai acheté, mais je ne vous les ai pas montrés. Je les cherche là, c'est pour ça que je me suis retournée. Où est-ce qu'ils sont? Ils ont une jolie couverture en plus. Zut, zut, zut. Ah bah ils sont juste là. Donc un petit aparté Action. Voilà, il y a des nouveaux. Après ils sont très jolis au niveau de la couverture. Mais moi je remets un. Ils sont très jolis au niveau des couleurs. Donc ça sert aussi d'album photo. Hein. Celui-là, trop trop beau. Voilà. Alors moi, rien à voir la couverture, je vous dis, je les classe dans ce sens-là, donc je ne vois rien. Alors une fois que j'ai coupé en deux, eh ben, ça va venir parfaitement dans la pochette. Et en deux, ça suffit. Voilà, donc ça, hop, il y en a des nouveaux, j'avais oublié de vous le dire. Et la dernière chose de chez Nose que j'adore. Alors il y a vraiment, je sais qu'il y a plein d'autres choses, mais c'est pas arrivé. Ce tampon. Ça y est, je commence à apprécier les tampons. Enfin, certains. Mais là, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh là là, pour faire des fonds, ça c'est sûr. Mais pas que des fonds. J'ai envie de le faire tamponner aux enfants. Donc il va falloir que je vois si ça rentre dans une stampe, parce que s'ils l'ont mal tamponné, ils vont être en colère. Donc je ferai des tests. De le faire tamponner par les enfants et de le colorier avec cela. Je vous ai fait bouger, désolé. D'ailleurs, alors au lieu de dire je vais le faire, je vais essayer, ben, je vais le faire avec vous. Je vais faire pause le temps de chercher la stamp, de défaire tous les feutres des boîtes et je vous reprends juste après. Me revoilà. Alors, juste pour vous montrer, j'ai mis sur mes plaques aimantées, j'ai mis ça sur ma photocopieuse et j'ai photocopié les modèles, ce qui fait que quand je le sors pour l'utiliser comme ceci et qu'après ben je dois le ranger, je peux vérifier si j'ai rien oublié, surtout dans les petites pièces. Voilà comment je m'organise. Et en ce qui concerne ceci que je garde maintenant, je l'ai remis dedans mais j'ai enlevé tout le scotch et je le garde comme ça dans une boîte. Si je dois un jour les revendre, j'aurai l'emballage d'origine, bien que déjà abîmé, puisque dès qu'on enlève comment ça s'appelle, voilà, le scotch, ça abîme, mais au moins j'aurai l'emballage d'origine. Voilà mon dodu, chiffre alphabet, je vais devoir les séparer parce que ça commence déjà d'une à être lourd et à ne plus vouloir se fermer. Et combien de places j'avais proposé? Rester 1, 2, 3, 4. Ouais, je sais pas si j'ai laissé toutes les pages d'origine ou je l'ai déjà scindé. Parce qu'en fait, je les scinde, j'en enlève. Hein, parce que si on remplit toutes les pages qu'ils nous proposent, ils proposent 72 photos. Donc on les met à 2, 72 divisé par 2, 70 divisé par 2, 35, 35, 36. Donc il y a 36 pages. Je ne sais pas si j'ai les 36, je ne pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ben 9, 9, 9. Celui-ci c'est quoi? 9. Ceux-là ne sont pas rangés. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vous voyez, 19, 20, 21, 22. Donc j'en avais enlevé déjà pas mal et je rescindrai parce que, voilà, parce que, vous voyez, il manque ça à ranger.
Non, il est quelque part, cela, parce qu'il n'y a plus le... Je m'inquiète. Non, il est là. Voilà, il est là. Et ça, je veux faire une photocopie pour mettre derrière. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas rangé. Et celui-ci, il est là, mais il y a... Oups, il y a ça. Et il faut que je le range autrement, puisqu'ils sont encore sur les... Voilà, donc ça, c'est à ranger. Là, j'aurais pu le faire en même temps que l'autre, mais... Je crois qu'il me faut une plaque émanquetée. Et j'en ai plus. Donc, hop, à commander une plaque aimantée. Oui, Sandrine, tu devais faire le test. Oui, j'arrive. Hop, je range ça. Je range ça. Je range ça. Alors, tous mes feutres sont là. Donc, voilà, ça fait... c'est très joli. Une petite déco. J'ai pris la stamp plateforme de chez Action. J'ai donc mon tampon tout neuf. Moi, j'ai mis des aimants. Je me suis rajouté des aimants. J'en avais 4. J'en ai perdu. Bon, bref. Donc, j'ai pris des aimants un jour. Voilà. J'ai mis du washi pour les attraper. Oui, ils sont assez forts. Et là, je pense que il va bien forcément falloir, allez, tiens, hop, que j'enlève le tapis. Ouais, c'est ça. Ça va le faire. Alors, je vais me mettre en plein milieu. Et puis, ce qui serait bien, Sandrine, c'est que tu prennes une un papier, hein, en option. En option, je vais l'imprimer là. Oh là là là, j'ai préparé à moitié. Ah ben, je vais reprendre celui-ci. Regardez. J'ai fait des essais hier. Je vais prendre celui-ci. Je vais le couper en deux. Et ça sera très très bien. Hop, hop, hop. Je vais me mettre du côté lisse. Je vais mettre mes gros aimants là et là, ça devrait, mes petits vont aller là et là, ça sera très bien. C'est vraiment pour montrer, faire un exemple. Et ça soulève le papier, c'est pas très grave. J'ai pris la VersaFine, la VersaFine claire. Voilà, je l'ai pas gommé. Mais vu qu'il y a déjà des petites choses, je pense que c'est plutôt judicieux que je le gomme. Ça au moins, pourquoi pas dire que ça imprime pas correctement, enfin tamponne pas correctement. Je vais pas l'ouvrir ma gomme. Ouais, bon, j'espère que ça va. Je prends une brosse à dents. Là, vraiment. Ça a mis des saletés un peu partout, hein. J'ai l'impression qu'il y avait comme de la colle déjà dessus. C'est ça qui me gêne. Je suis désolée, c'est un petit peu long. Bon, après, je suis avec la stamp, heureusement, pour pouvoir justement le refaire. Hein. L'idée, c'est qu'il soit quand même assez sympa et que les enfants puissent le faire aussi. Là, il y a un petit... J'ai l'impression comme s'il était abîmé. Où est-ce qu'il est, mon papier d'origine, là ? Je mets de côté.
Bah, je ne sais pas. Il est là, ça y est. Parce que bon, quand il y a des petites... dans le dessin, des choses... Alors, je vais certainement venir avec quelque chose dans ce genre-là. Ok, alors je suis pas sûre que le papier aquarelle soit l'idéal. Je referai un test sur un papier un peu plus lisse. Parce que là, si tous les enfants doivent faire ça deux fois, il faut quand même que le dessin soit joli. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Hop, mon modèle, le modèle, il est là. Où est-ce que je disais que je trouvais qu'il y avait quelque chose? Bah en fait c'est pas là, ça le fait pas là ici. Là, ouais. Peut-être un papier plus lisse que celui-ci, parce que là ça fait un gros truc alors que je vois rien là-bas. Allez, j'ose une troisième fois, mais je trouve que ça fait beaucoup quand même. Un tamponnage, est-ce qu'il est... Alors oui, j'ai plus de surface en dessous un peu molle, donc je vais voir justement si je peux pas mettre ça, parce que sinon je suis trop... Ouais, ça en a enlevé. Ok, allez, on va s'arrêter là. Trois fois, je l'ai passé. Ce que je voudrais, c'est essayer tout de suite les feutres, donc je veux pas que ce soit mouillé, je vais sécher. Oh, it's gum. Silencieux pour moi, donc vous pouvez rester là. Et parce que je voudrais quand même qu'il fasse un petit peu de tamponnage, ce serait bien. J'avais l'idée de faire un album et je pense que je vais changer d'idée parce que ça va pas leur faire voir assez de choses. Un mini album, voilà, c'est du pliage de papier, alors que je voudrais leur faire bah, justement un tamponnage, etc. De la, pas d'aquarelle, mais du pchit. Bon, voilà. Donc, je suis en train de changer mon idée à presque un mois à peine. Alors, hop, ça c'est bon. Je vais passer un petit coup d'eau tout de suite sur le tampon, comme ça ce sera fait. Hop. J'essayerai avec une grosse plaque et avec la avec une mousse en dessous et sur un autre papier. Mais je le ferai peut-être hors caméra. Là, je vais vous profiter que une de mes abonnées m'a demandé la qualité des feutres. Alors, la qualité, c'est pas quelque chose que je vais, entre guillemets, juger parce que j'ai pas de retour sur d'autres feutres métalliques et d'autres marques surtout. Donc, je vais juste voilà, donner mon avis de comment ils... En tout cas, le pailleté, là, j'adore. Peut-être que si je fais... Moi, je vais les laisser tous en broche en bas, la tête en bas, juste parce que je sais que je vais utiliser plus le broche. Mais... je ne sais pas du tout si ça a une incidence ou pas. Ça brille, hein. Je ne sais pas du tout si vous voyez vous. Peut-être que je rezoomerai. Un peu après. Donc, tout de suite.
Ah, ça peut être pas mal, hein. Ça va être long à leur faire faire. Ils ont 2 heures. Mais en même temps, je pense que ça peut faire une carte super jolie. Faut que je vois ce que je leur propose en termes de déco. Comment on va le découper. Ou si on laisse tout. Mais je pense que vu la quantité de feutres, ils sont 15, je pense tout haut avec vous. Avec la quantité de feutres, voilà, y a, vu que là je vais le garder pendant un petit moment, le bleu. Il y a quand même assez de bleu si d'autres enfants veulent en faire. Voilà, il y a quand même de quoi... Moi j'aime beaucoup, je vais vous zoomer quand même. Regardez. Oups. Alors, je vais quand même faire un jaune. Ouh, génial. Essayez de pas trop dépasser, mais en même temps. Bah voilà, j'aime beaucoup. Je vais regarder le nom de l'abonné qui m'a demandé ça. Si toutefois bah je vais retrouver ce que je lui ai pas encore répondu. Donc je vais pouvoir lui répondre que j'ai fait un test. La qualité, c'est Sophie Milan. Tu vois, eh ben, moi, j'aime beaucoup. Je vais garder une grosse zone orange pour mettre un autre. Grosse zone pour mettre un autre orange. Ouais, j'aime beaucoup. Donc ça risque d'être effectivement un petit peu long comme coloriage. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais leur dire, vous faites 15, parce que ça, ça peut être aussi 15 parties. En coloriage avec chaque feutre. Oh zut, j'ai dépassé. Le grandasse. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, ça fait une limite. 6. 7. 8. Vous comprenez ce que je veux dire? 9. 10. 12, même celle-ci, hein, 13, 14, 15. Et forcément, deuxième consigne que. Il n'y a pas deux couleurs identiques qui se touchent. Donc, je vais leur dire de prendre une feuille à côté. Et là, c'est le 35. Et d'écrire chaque chiffre qu'ils ont fait. Comme ça, ça c'est le 61. Comme ça, ils savent. Voilà. Parce que bon, moi, je peux les poser là. Mais nous, dans le truc, on va tout mélanger. 165. On va faire comme ça. Voilà. Je fais mon idée d'atelier avec vous. Donc Sophie, ben, je réponds à ta question. Moi j'aime beaucoup. Après, dans le temps, dans la durée, je sais absolument pas, hein, forcément. Mais je trouve ça super joli.
J'aime beaucoup ce dessin aussi. Donc voilà, ça va être sympa. Et on va faire quand même, ce sera un fond de carte. Et je vais leur faire mettre au moins un sentiment. Et ouais, super. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc le petit test est fait. Je ferai moi un test sur un autre papier. Je garderai celui-ci pour modèle. Je ferai une carte et je vous la montrerai ou on la fera ensemble. Je ne sais pas. Je verrai bien. Mais le haul nose est fini. Je vous remercie de l'avoir suivi. Crash test, c'est action. C'est pas grave, je marquerai. Et les pots de feutre, j'adore. Je pense qu'il me faudrait plus de petites d'étagères avec des toutes petites cases pour mettre les feutres, comme je vois dans certaines scrap rooms, parce que je trouve ça vraiment magnifique. Magnifique. Ouf, il est foncé celui-ci. C'est pas grave. Je vais le faire. J'ai pas fini celui-là. Je vous remercie. À bientôt. Likez, commentez, abonnez-vous. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie. D'ailleurs, en parlant de nouveaux abonnés, il y a un tuto carte qui arrive ce soir. Et je ne vais pas réussir à toutes les prendre parce qu'il y en a 17. Donc voilà, 17 cartes uniques en One Sheet Wonder. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez entre guillemets apprendre et c'est génial. C'est zéro chute de papier. Oh pardon, pardon, j'en ai une, mais où est-ce qu'elle est, elle est tombée, je ne sais pas. Il y a celle-ci qui traîne. Je vais voir, je vais comprendre pourquoi parce qu'elle ne devrait pas traîner. Et la toute petite micro-chute, ça y est, je les ai enlevées, il y en a 3. En tout cas, surtout si vous le faites en pouces, en centimètres, c'est un petit peu plus de chute. Là, je vous le redis, merci, bonne journée, bon week-end, parce que moi, on est un vendredi, et oui, vendredi 14 juin, et je vous reprendrai, si j'arrive à avoir un autre arrivage de nose, ben je referai une vidéo. Là j'ai une amie qui vient de me dire à l'instant qu'il n'y a rien en rayon, a priori c'est arrivé, mais c'est mis en rayon cet après-midi. Donc ce sera peut-être pour demain. Merci, au revoir, bonne journée, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker, et puis laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir et j'essaye d'y répondre à tous individuellement. Voilà, parce que ça me fait très plaisir. Au revoir.